Bonjour tout le monde, bonjour mesdames et messieurs. J'ai un message à faire passer rapidement pour juste 4 minutes. Un message par rapport à l'Afrique, par rapport à l'immigration, un sujet qui intéresse beaucoup les Français. Alors, je suis Ngouma de Mangoubi, Donald. Je viens d'Afrique, je suis immigré. Je voudrais faire un message que vous n'entendrez pas sur BFM TV, que vous n'entendrez pas sur CNews. On nous parle de beaucoup d'Africains qui viennent ici en immigration, qui viennent envahir la France. Et il est dit ici que les Africains viennent prendre le boulot des citoyens français, ce qui est faux. Alors, pourquoi je viens intervenir? Il faut savoir qu'à l'Élysée, il y a une cellule qu'on appelle la cellule France-Africaine de l'Élysée. Cette cellule gère la politique africaine. Cette cellule, créée depuis Charles de Gaulle, gère la politique des pays africains. La France, donc les dirigeants français, se sont toujours arrangés de contrôler les pays africains. Ils se sont toujours arrangés de mettre des marionnettes à la tête des pays africains. Et pendant la période de Charles de Gaulle, il y a eu des assassinats des présidents patriotes africains, ceux-là qui voulaient construire l'Afrique, ceux-là qui cherchaient un destin meilleur pour l'Afrique, à l'exemple de Sylvanus Olympio du Togo, assassiné en janvier 1963. Et bien sûr, c'est un crime, un meurtre qui a été commandité par la France de Charles de Gaulle et les États-Unis. Et bien sûr, Barthélemy Boganda de la Centrafrique, qui voulait sortir du franc CFA, a été aussi, comme par hasard, son avion a eu un accident. En 97, la France a donné les armes. La France de Jacques Chirac a donné les armes à un despote au Congo-Brazzaville pour faire un coup d'état et prendre la tête du Congo-Brazzaville. Voilà. En fait, la France s'est toujours arrangée de mettre dans les pays africains des présidents ou des dirigeants à sa botte. Et c'est ce qui cause l'immigration. Nous venons ici pour dire ceci. La France ne peut pas accueillir la misère du monde. Mais il ne faut pas non plus créer cette misère dans le monde. Le message que nous aimerons apporter ici, par rapport à tous ces immigrés qui viennent ici. Ces immigrés-là, Kadhafi avait dit quoi? Vous êtes en train de bombarder un mur qui retient l'immigration. Mais quand même, Sarkozy s'est arrangé à bombarder ce mur-là. Les Africains trouvaient du travail lorsqu'ils partaient en Libye. Les Africains trouvaient du logement lorsqu'ils partaient en Libye. La Libye, c'était un paradis terrestre. Mais Sarkozy, pour les intérêts égoïstes et personnels d'abord de Sarkozy, pour dit-on les intérêts de la France, ils ont fait tuer Muammar Kadhafi. Et aujourd'hui, nous voyons que les Libyens commencent à immigrer. On parle du terrorisme au Mali, mais lesquels qui ont créé ce terrorisme-là? C'est les mêmes armes qu'on a données en Libye qui sont descendues au Mali. C'est ça la vérité. Ces choses que je vous dis là, vous n'entendrez pas ça à BFM TV ni à CNews. Je voudrais éveiller les consciences des Français pour vous dire, l'immigration n'est que la résultante de la politique extérieure de la France envers l'Afrique. Il faut qu'on ouvre les yeux. Ce n'est pas des choses que vous entendez sur les chaînes corrompues tenues par les multinationales dont les intérêts sont en Afrique. Les chaînes de télévision en France sont tenues par les milliardaires qui ont leurs intérêts en Afrique et ne parleront jamais de ces choses-là. Il faut faire des recherches par vous-même sur Google pour voir des débats contradictoires sur la réalité. On nous a dit qu'ils vont installer la démocratie en Irak. Ils ont détruit l'Irak. Il n'y a pas la démocratie. On a dit qu'on va installer la démocratie en Libye. Ils ont détruit la Libye. Il n'y a pas de démocratie. Ils ont dit qu'ils vont installer la démocratie en Côte d'Ivoire en plaçant Ouattara. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tous les opposants politiques sont en prison. Et si vous ne le savez pas, la France de Macron vient de donner l'ordre qu'on bombarde le Tchad. Des citoyens, le 7 février passé, hein, c'est pas loin de là, même pas un mois, des citoyens qui veulent se débarrasser d'une dictature. La France, les élus français, ne vivent que de ça.
enlever des présidents élus par leur peuple pour placer des dictateurs et bien sûr ces dictateurs qui vont envoyer l'argent dans les multinationales françaises pour donner du boulot aux Français. Avant de terminer, j'aimerais dire, les Africains qui viennent ici, ils ne sont pas derrière votre système social, il faut les respecter. Nous fouillons les bombes. Les Africains ne savent pas fabriquer les armes. Nous fouillons les bombes que la France offre aux dictateurs pour tuer leur peuple en Afrique. Il n'y a pas de règlement de compte ou des guerres tribales ou ethniques en Afrique. Ces guerres-là sont créées par des dirigeants occidentaux. Sous fond de leurs intérêts, ils arment des mercenaires, ils arment des criminels en Afrique pour faire des guerres et s'emparer de la richesse de l'Afrique. Le seul tort qu'a eu les Africains, c'est à cause de leur richesse et de leurs minerais. C'est pourquoi qu'on les tue. Et ce message, on voulait venir le faire passer ici. Afin que ceux qui ne savent pas, qu'ils sachent, si la France ne veut pas accueillir la misère du monde, il ne faut pas qu'elle la crée. Si ces autorités-là, les gens ne veulent pas être dérangés, ne dérangez pas aussi les pauvres Africains qui restent chez eux. Voilà le message que je voulais faire passer ici. Merci encore, je souhaite une bonne journée à tous. Voilà. Comme il l'a dit mon frère, l'histoire a été effacée. L'histoire a été écrite d'une façon qui n'arrange pas le peuple africain. Depuis la colonisation, pendant 400 années, le peuple africain a été maintenu dans l'esclavage pendant 400 ans. Aujourd'hui, vous parlez de la négrophobie, vous parlez de racisme, il vous parle de victimisation. Nous ne sommes pas là pour nous victimiser. Nous avons subi 400 années d'esclavage. Après ces 400 années d'esclavage, ils nous ont pillés de nos ressources naturelles. Ils ont amené nos pères pour venir combattre du côté de la France lorsqu'il y avait l'envahissement du peuple allemand. Nos pères sont venus combattre pour la France. La plupart sont retournés chez eux et ils ont demandé la pension. Ils ont été tués, fusillés par la France quand ils demandaient de la pension pour ce qu'ils ont fait comme combat du côté des Français. Ça, le peuple français ne le sait pas. Ils ne vous le diront jamais. Ils ne nous tendent pas le micro pour que vous entendiez ce dont nous souffrons. Nous ne venons pas là pour le RSA, ni pour les aides sociales, ni pour le RMI, que sais-je encore. Nous sommes là parce que nous sommes fatigués, nous ne pouvons plus vivre chez nous. Ils nous ont mis des dictateurs qui nous tuent, qui ne respectent plus le droit des femmes, qui ne respectent plus les enfants, qui ne respectent plus la misère du peuple. Ils pillent nos ressources, ils les logent dans des comptes en Suisse, dans des comptes en banque en France. Ils achètent des biens immobiliers avec nos milliards. Et nous souffrons de faim, nous souffrons de malnutrition, nous n'avons pas d'eau pour boire. Et tout ça, ils vous diront que nous, peuple africain, on est paresseux. Pourtant, c'est nos grands-pères qui ont creusé ce métro. Ils n'ont pas été payés pour ce qu'ils ont fait. C'est nos grands-pères qui sont travaillés dans les champs de coton. Ils ont relevé l'économie occidentale. Et pourtant, leurs enfants souffrent encore. Leurs enfants souffrent dans la misère. Ils n'ont pas d'eau. Ils sont morts de maladie. Ils meurent de paludisme, ils meurent de sida. Et ils viendront vous dire qu'on leur envoie de l'aide alimentaire, qu'on leur envoie de l'aide au développement. Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons nous développer. Nous voulons qu'on quitte nos pays africains, qu'on permette à ces pays africains d'installer des présidents patriotes, comme des présidents qui ont tous été tués. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, tous ces présidents, toutes ces personnes étaient là pour l'Afrique. Se battaient pour la cause africaine. Et malheureusement, quand on se bat pour la cause africaine, on se bat contre l'intérêt des Français. On se bat contre l'intérêt des États-Unis. On se bat contre l'intérêt de l'Allemagne. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez ici. Nous ne sommes pas là pour quémander. Nous sommes là pour crier notre colère. Pour que le peuple français qui ne l'entend pas soit de notre côté. Nous soutienne. Connaisse la réalité de la politique occidentale de vos pays. Nous ne sommes pas contre les Français. Vous nous avez accueillis. Nous sommes reconnaissants à votre égard, mais nous voulons juste que vous demandiez à ces élus français de cesser les bombardements, de cesser l'ingérence qu'ils font dans nos pays. Nous vous remercions. C'était le message que nous voulions passer. Une bonne journée à tous. Merci encore de nous avoir écoutés. Le message est passé. Faites vos recherches, parce qu'on finira pas là. On va tellement parler dans le métro, afin que même au dernier Français qui a 2 ans, 3 ans, comprenne cette réalité-là. Les médias mensongent. Vous en mentiez sur la réalité qui se passe en Afrique. Merci.